suis satisfait. Ouais. Vraiment. Après, bon, dommage pour le quadruple parce que je me sentais beaucoup mieux qu'hier. Au 6 minutes, je me sentais bien, donc je pouvais le faire. Après, content parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait se lancer dans cette compétition. Et franchement, je pense que les gens ne peuvent pas s'en rendre pas compte parce qu'ils ne l'ont pas vécu, mais s'entraîner 3 jours pour une compète, c'est vraiment dur. Donc voilà, ça a été un bon challenge pour moi. Je suis content parce que je l'ai relevé. Bien sûr, c'est pas du très grand patinage, c'est pas exceptionnel, mais ça me fait vraiment du bien, ça me soulage, quoi. Malgré l'erreur sur le premier quadruple, j'ai continué à me battre et à essayer de vivre ce programme. Et au final, j'ai pris du plaisir tout au long des 4 minutes 30. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Ça a souvent été mon problème. Quand je me sentais un peu faible, voilà, je patinais sur les pointes, sur les dents. Enfin, tout était retenu, il n'y avait pas d'émotion, mes programmes n'étaient pas vécus. Alors que là, même si je sais que je ne suis pas bien, pas en pleine forme, je fais des erreurs techniques, j'arrive à faire la part des choses. Donc c'est vraiment une évolution chez moi. Le programme me correspond. Et à partir du moment où je me sens bien dans le programme, j'ai envie de travailler, j'ai envie de m'investir dedans. Donc après, c'est vrai que sur place, à Champigny, il y a une bonne équipe. Avec Catherine Blaise, on travaille tous les jours, artistique, on voit les détails. C'est des choses que je ne faisais pas à l'époque. J'ai perdu un petit peu cette niaque. Et là, je la retrouve. Je pense que si le public n'avait pas été là, si je n'avais pas ressenti son énergie comme à Nice, la fin du programme aurait été un petit peu plus catastrophique, je pense. Il faut donner aux juges, au public, à tout le monde, hein, même ceux qui sont derrière leur écran de télé, ils doivent ressentir une certaine émotion.